Voilà, Ariam, nous y sommes avec nos invités. Monsieur Jeffrey Bassongama, bonjour. Bonjour, je veux dire. Représenter la Rose Croix Maxendel sur ce plateau. Grand maître Lucien Zabani, bonjour. C'est la puissance spirituelle du Verbe. Bonjour, bonjour. Et le chevalier du Varja triomphant, André Mayanda, qui représente ici la religion homiste. Bonjour. 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 Alors, le Bhakti Yogi n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons le docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le Vous avez journaliste. suivi donc nos échanges dernièrement, et les échanges ont porté justement sur cette thématique. La mort se prépare-t-elle? Pourquoi et comment? En deux mots, je veux dire en 2 minutes, est-ce que vous pouvez... On vous donne la parole en fait pour rattraper le train. On vous permet de rattraper le temps dans le studio 210. Bon, merci, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs dans le nom de Yeshua Mashiach. En parlant ici de la mort, je pense que c'est un sujet qui est très bienvenu parce que ce sont parmi les grands sujets de l'existence de l'homme. Et pour qu'on puisse parler de la mort en tant que serviteur d'Elohim, je ne pourrais pas parler de la mort en vague sans me référer à la Bible, qui est le livre guide qui nous permet de comprendre l'existence de l'homme dans les moindres détails. Alors, avant de parler de la mort, d'évoquer la question de la mort, il faut d'abord qu'on comprenne que ce que c'est la vie, parce que la vie et la mort sont aux deux antipodes de l'existence de l'homme. Alors, la vie, d'abord, pour commencer, est une condition temporaire ou provisoire de l'existence de l'homme. Donc, l'homme en existant ici-bas n'est pas venu ici pour exister de façon définitive, puisque il est entré dans la matière, il a été façonné de la poussière de la terre. Et la Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, le verset 7, que c'est lorsque Yahvé souffla en lui le souffle de vie, que l'homme devient un être vivant. C'est à ce moment-là qu'on a parlé de la vie. Maintenant, la mort, elle est définie comme étant la cessation de la vie dans un corps physique. Et c'est évidemment le corps qui meurt pour la première fois. Puisque lorsqu'il est parlé de la mort, en premier temps, c'est d'abord le corps qui périt, lorsque l'esprit quitte l'âme, puisque c'est l'esprit qui vivifie l'âme, et une fois que l'esprit quitte l'âme, l'âme étant dépourvue de l'esprit ou du souffle, l'âme se détache du corps. Et lorsque l'âme se détache du corps, alors le corps périt ou le corps meurt. Maintenant, lorsqu'on parle de la mort dans les Écritures, pour ceux qui Alors, scrutent vous ramenez encore de les définitions. On avait déjà Oui. fait ces définitions-là. Oui. La question que l'on vous demandait de rattraper le temps, c'est-à-dire que la question c'était la mort, est-ce qu'on la prépare? N'allez plus dans les définitions Ok, de merci beaucoup. La mort, pour dire qu'on la prépare, ce serait aller à l'encontre de la définition même de la mort ou du contexte, parce que la mort est inéluctable. Elle est inéluctable, on ne peut pas l'éviter à un temps précis, puisque tel que nous sommes constitués de la matière est remplie de l'énergie. Et quand on parle de l'énergie, on parle de la quantité de substances spirituelles qui permet à l'homme d'exister. Et une fois qu'il a atteint le nombre de jours qui lui est alloué par le Créateur, la vie quitte le corps et l'homme meurt. Donc on ne peut pas préparer la mort comme telle. Mais la seule chose qu'on peut préparer, c'est la vie. Parce qu'après la mort, il y a la vie qui surviendra après la résurrection. Donc préparer la mort, ce serait un non-sens. Ce serait complètement un non-sens. On ne peut pas préparer la mort puisqu'elle arrive. J'ai suivi l'autre fois mes collègues ici, mes amis, dire on doit préparer la mort comme on prépare la naissance d'un enfant. Mais un enfant ne prépare pas sa propre naissance. Ce sont les parents qui préparent sa venue au monde. Et lorsque nous vivons ici, nous ne pouvons pas préparer la mort puisque la mort va automatiquement arriver. Il faut que la matière retourne à la matière. Mais la seule chose qu'on peut préparer, c'est la vie, parce qu'après la mort, il y a une promesse de résurrection pour entrer dans la vie, pour ceux qui ont été engendrés par la parole d'Élohim qui vient séparer en quelque sorte Finalement, l'âme et vous l'esprit. partagez le même point de vue que ceux qui sont sur ce plateau, puisqu'ils ont dit que après la vie, il y avait la vie. Certains parlaient de la mort, certains parlaient de la non-mort, en fait, mais ils ont dit la même chose parce que vous partagez donc le même point de vue. Après la vie, c'est la vie. Non, 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 non. Après cette vie, il y a une période, c'est-à-dire une période, puisque la vie, d'abord, l'existence que nous avons ici est provisoire. Et après cette vie, il y a la mort. Maintenant, après la mort, il y a la résurrection qui interviendra. Donc, Donc on ce doit qui préparer. casse complètement. Mais vous dites qu'on ne peut pas préparer la mort. On ne peut pas Non, on ne peut préparer pas ça. préparer la mort, mais on prépare la résurrection.
D'accord. Merci qui est le retour à la vie. Merci beaucoup. Donc, nous continuons cette discussion avec le chevalier Mayanda. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand il y a vie, il y a mort. La vie et la mort vont de pair. Chez nous, on dit on quitte le corps de chair pour aller dans d'autres plans, continuer une vie. Et dans ce plan-là, un jour, on va la quitter pour revenir sur terre. On parle en ce moment-là de la réincarnation et continuer notre vie. Mais ce qu'on emporte dans l'au-delà, ce n'est pas le matériel. Donc la vie, la mort, ça se prépare, ça se prépare. Tout au long de cette vie, vous préparez la vie prochaine. Parce que le but de la vie, ce n'est pas de naître seulement, vieillir et mourir, manger, boire. Le but de la vie, c'est évoluer, avancer et fusionner avec le divin. Si on le comprend dans ce sens-là, et donc cette fusion avec le divin, il faut la préparer. D'accord, il faut la préparer, cette fusion avec le divin. Mais lorsque vous dites fusion avec le divin, vous faites allusion à quoi concrètement? Pour nous qui ne comprenons pas ces choses-là. La fusion avec le divin. L'âme est de nature divine. Et quand l'âme s'incarne sur terre, c'est pour se perfectionner. Et cette perfection-là commence sur terre. Et lorsqu'on l'atteint, on a vraiment atteint une perfection à l'étape ultime, c'est en ce moment-là qu'on fusionne. C'est en ce moment-là qu'on réintègre la divinité. On réintègre la divinité et on revient sur terre pour aider l'humanité à avancer. D'accord, merci beaucoup, grand maître Lucien Zabani. L'homme et la femme se croisent et de ce croisement, chez la femme va naître un embryon. L'embryon, après, c'est le fœtus. Le fœtus, c'est le bébé. Et voilà un véhicule qui est créé. L'esprit va descendre pour venir animer ce véhicule. Et c'est ce qu'on appelle la naissance. La personne est née pour venir faire l'expérience dans la matière. Après un certain temps, le corps physique va vieillir, parce qu'il n'y a pas quelque chose qui puisse exister physiquement et durer éternellement. Donc ce véhicule, après un certain temps, normalement qui est prévu à 150 ans, mais que nous n'arrivons plus à atteindre, 50 ans, 45 ans, et puis bon, voilà, le corps vieillit, le corps s'affaiblit, l'esprit est obligé de ressortir. Et c'est ce qu'on va appeler la mort. Donc la mort, en fait, c'est déposer le corps physique pour l'esprit, repartir dans le monde des esprits, revenir pour prendre un autre corps, et c'est ce qu'on appelle le cycle de réincarnation à travers pour faire l'évolution. Donc, la mort est liée à la vie. La mort. Oui, la mort est liée à la vie, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mort. Et s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de vie. Et donc, c'est à travers ce mouvement qu'il y a ce qu'on appelle l'évolution. Et l'évolution, c'est le but de l'existence. Donc, ceux qui pensent que la mort, c'est un châtiment de Dieu, ce n'est qu'une simple ignorance. Qu'on le veuille ou pas, on finira toujours par mourir. Je l'avais dit la fois passée ici, donc, peu importe. On retient qu'on doit préparer notre mort. Absolument. Pourquoi on doit préparer notre mort? Parce que l'esprit, quand il a utilisé le véhicule et que celui-ci est fané, il le dépose. Mais il repart dans le monde des esprits. Et là-bas, c'est une vie qui est beaucoup plus réelle, n'est-ce pas? Donc, on vient seulement, c'est comme un enfant qui va à l'école. Après les 9 mois, il repart à la maison, on part de la maison pour aller à l'école, aller apprendre. Et quand on a fini d'apprendre, bon, on repart chez soi. Donc, c'est cela, et justement. D'accord. Alors, Jeffrey Mbasungama, tous ici, nous avons compris dernièrement que nous devrons préparer notre mort, mais pourquoi? Pourquoi devrait-on préparer notre mort? Dans le christianisme, on nous dit qu'il faut préparer la mort, mais aujourd'hui, le docteur Botan nous dit que non, on ne prépare pas la mort. Mais vous, donnez-nous les raisons quand même de pourquoi on devait préparer la mort. D'abord, pourquoi on prépare la vie? Vous savez, il y a toute une science pour préparer la vie d'un enfant qui va venir. Il y a les infirmiers, il y a les sages-femmes, il y a les médecins. Tout cela pour être sûr que le nouvel être va
vraiment sortir dans de meilleures conditions. Et aujourd'hui, les appareils les plus sophistiqués vous montrent même l'évolution du premier jour jusqu'au 9e mois. Donc, la science est en train d'évoluer aussi pour que nous ne fassions pas toujours des erreurs quand un être nous quitte. Et la science est en train d'évoluer dans ce sens-là. Et ça deviendra une obligation aussi pour que nous puissions en faire quelque chose de meilleur. Pourquoi on doit préparer ce départ? Parce que la fois passée, on a dit que c'est un départ d'un monde visible vers des mondes plus subtils. Comme tous les départs, s'il n'est pas préparé, il y a beaucoup d'erreurs. Et la première erreur qu'on doit éviter lorsque la mort intervient dans des conditions normales, c'est-à-dire sans accident, il n'y a pas de brûlure, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a rien de tout cela, la personne meurt normalement, ce que nous devons faire, c'est lui permettre de revoir sa vie. C'est ce que nous avons dit la fois passée. Il doit revoir sa vie. Et cette revision de la vie passée dure, selon les uns et les autres qui partent, 3 jours et demi. Et ces expériences qu'il a eues, qu'il est en train de revoir à rebours, vont servir dans le premier stade lorsqu'il rentre dans le monde spirituel. Et si on ne fait pas cet effort pour nous qui sommes restés d'être un peu clément envers lui, alors il perd le temps passé sur terre. Et donc pour lui, aller dans les cieux, ça n'a plus de sens. Parce que ça commence d'abord par prendre conscience des erreurs que nous avons commises. Peut-être nous nous sommes mal comportés envers notre prochain. Et nous, par cette rétrospection panoramique, nous allons d'abord souffrir des douleurs que nous avons infligées aux autres. Et c'est ça qui va nous faire prendre conscience que faire mal, priver les autres de leur liberté, de leurs droits, c'est une mauvaise chose. Et moi, je le vis à ce moment-là. Donc, c'est déjà une erreur que de pleurer, que de se lamenter, mais aussi lorsque on administre des corps étrangers dans ce corps qui s'en va pour faire ce qu'on appelle l'embaumement. Ça fait souffrir celui qui s'en va. Si cela intervient avant 3 jours et demi, si on fait l'incinération aussi, c'est-à-dire dans beaucoup de pays aujourd'hui, même en France, on brûle le corps pour permettre un départ plus rapide et pour que le défunt ne revienne pas là où il a vécu, puisque beaucoup reviennent toujours, ils n'ont pas conscience qu'ils ont changé d'état. Donc, c'est tout ça qui doit faire que quand, avant d'aller de l'autre côté, on est informé de toutes ces choses-là, alors on en parle autour de soi pour que ça ne soit pas une perte pour celui qui a vécu une vie meilleure ou une vie, si vous voulez, médiocre. Tout doit être rattrapé. Donc la préparation, ce n'est pas dans le sens de penser toujours « je vais mourir, je vais mourir ». Non. Qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour qu'on ne détruise pas la vie de celui qui vient de nous quitter? D'accord. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Alors avant d'aller vers le comment devait-on préparer notre mort, on fera le tour de table. Docteur Renaud Boris Botta, peut-être des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit par
les spirituels, pas toujours chrétiens comme vous, et vous-même aussi, on ne sait plus si vous êtes chrétien. Bon, voilà. Merci beaucoup. Bon, mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention tous mes frères, et je ne partage pas leur avis, parce qu'il y a dans leurs propos plusieurs confusions, plusieurs éléments confus, parce que dans un sens, je me trouve en face de ceux qui soutiennent une prétendue réincarnation, mais qui s'entremêlent les pinceaux. Parce que quand j'ai suivi mon cher ami ici en face de moi, il a parlé de la mort qui est en quelque sorte, il y a une continuation de vie sur un autre plan ou encore dans un domaine spirituel. Et mon cher ami Lucien Zabani qui parle de la réincarnation, mais je ne suis pas d'avis avec la réincarnation parce que la réincarnation ne saura pas être prouvée que ce soit scientifiquement, que ce soit spirituellement, que ce soit au niveau des Écritures. Mais le principe divin parle de la résurrection. Parce que parler de la réincarnation signifie qu'un être qui a vécu dans une certaine forme peut encore revenir, vivre encore dans un corps de chair sous une autre forme. Et il a parlé de l'évolution, ce qui est complètement aussi archi-faux. Parce que quand on parle de l'évolution, on est autour d'un cercle. Et quand on est dans un cercle, il n'y a pas un individu de plus ni un individu de moins. Donc si la réincarnation était une doctrine fondée et qui était sensée et logique, on n'aurait pas plus d'habitants sur la Terre que comme au commencement. Parce qu'à un certain moment, il y a eu multiplication. Donc quand il y a multiplication, la multiplication casse la réincarnation. Parce que pour qu'il y ait réincarnation, il fallait qu'il y ait d'abord à l'initial... Insister sur la réincarnation, ça va faire dérailler le débat. Oui. Docteur Renaud Boris Mbotta, on est dans la logique de la discussion. Donc dans la logique de la discussion, je l'ai dit, je l'ai souligné ici, parlant, suivant aussi l'intervention de M. Diffrine, qui a parlé, dès qu'il a introduit, il a dit, bon, en principe, on prépare la vie. Bon, je ne sais pas si réellement on parle de la vie ou de la mort, parce que ici, il est question de parler de la mort. Et j'ai dit, la mort ne se prépare pas. La mort, c'est un phénomène inéluctable qui arrive. C'est-à-dire que nous vivons, oui, mais nous mourons. Ils appellent cette mort-là, chacun à sa manière. Mmh. Mais après cette mort, il y a la vie continue. C'est-à-dire que non. Voilà. La vie, quand on dit la mort, c'est la cessation d'existence, c'est la cessation de vie. Mmh. Il n'y a pas de vie après la mort. Mais c'est quoi la vie éternelle? Oui, lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est une vie qui n'a pas de fin. Et cette vie éternelle interviendra à partir de la résurrection. C'est-à-dire qu'on reçoit le germe pendant qu'on est en vie, on reçoit juste le germe, mais c'est lors de la résurrection que... C'est quoi la résurrection ? C'est vivre de nouveau, non ? C'est pas ça ? Bon, non, la résurrection, c'est pas vivre de nouveau, c'est revenir dans la vie et dans des corps nouveaux. Revenir dans la vie, donc c'est-à-dire que la vie continue quand même ? Bon, pas à la mort. C'est ça. Ce n'est pas la vie qui continue parce que c'est une autre forme de vie. Puis c'est cette vie que nous avons... Une autre forme de vie, c'est bien la vie. Non, cette vie que nous avons présentement est une vie mortelle. Vous voyez, cette vie que nous avons est une vie mortelle. Nous vivons dans la matière. Mais une fois qu'on sera ressuscité, selon ce qui est écrit dans les Écritures, la Bible dit que... Ça ne sera pas la vie. Non, nous ressuscitons esprit, nous ne serons pas chair. Et en ce moment-là, nous avons une autre constitution. Donc, la vie, c'est quand il y a la chair. Pardon ? La vie, c'est lorsqu'on a la chair et le sang. Présentement, nous avons une forme de vie où nous avons l'âme incarnée dans la chair, n'est-ce pas, et le sang. Mais une fois que nous mourons, nous perdons cette structure charnelle. Et lorsque nous reviendrons à la résurrection, nous ne reviendrons plus dans cette même structure. On revient à la vie. On ressuscite. Lorsqu'on ressuscite, oui. Voilà, donc on revient à la vie. On revient à la vie, mais voilà. Pas la vie mortelle. Mais justement, donc, on ne fait que tourner en rond parce qu'il dit qu'il y a après la vie... Ils disent qu'après la mort, dès que quelqu'un meurt, il continue à vivre. C'est ce point que je ne partage pas à la lumière des Écritures. Parce que les Écritures disent que celui qui meurt descend dans le lieu du silence, dans le lieu où ne loue pas, il n'y a pas d'activité. D'accord. Alors, pour faire évoluer cette discussion, le point que nous devons regarder aujourd'hui, c'était comment devait-on préparer la mort, au moins pour ceux qui croient en cette préparation-là, comment se prépare la mort? Merci, monsieur le journaliste. J'allais dire ceci. Il y a un dicton chinois qui dit « L'amour de la vie est une illusion et la crainte de la mort est une erreur. » C'est pour dire que quand on quitte le corps de chair, l'âme continue son évolution. Moi, j'insiste là-dedans. C'est la doctrine que nous soutenons au niveau de l'onisme. Et la préparation de la
vie, de la mort. La préparation à la mort, ce n'est pas une préparation matérielle. Ce n'est pas acheter un cercueil. On peut le faire, hein, pour ceux qui peuvent, sont un peu plus avancés, pourront le faire. Écrire son testament, tout voilà, ça, voilà. Ouais, ce n'est pas ça. C'est développer, puisque après la mort du corps de chair, l'âme continue à vivre dans le plan là. Mais ce qui l'amène, c'est des valeurs intrinsèques. Hein? Le valeur intrinsèque, l'amour du prochain, la bienveillance, la compassion, hein? L'amour dans la force, l'amour universel. C'est ça ce qui l'emporte. Et c'est ça qui va continuer quand il sera devant le miroir. Hein, une fois transité, il est devant le miroir, il fait le bilan comme l'autre l'a dit. C'est ça ce qui va compter. Et ça se prépare tout au long de cette vie. On peut aussi amener des frères à préparer une mort consciente. On peut préparer les frères à préparer une mort consciente, l'aider, aider un mourant à se pardonner, à pardonner ceux qui sont autour de lui, à se détacher de tous les petits biens matériels pour qu'il n'aille pas souffrir. Donc cette préparation-là se fait maintenant et elle se fera dans ce que nous appelons la colonne de lumière, cette grande école où on se perfectionne pour revenir sur Terre. Merci beaucoup, grand maître Lucien Zabami. La mort, comment devrait-on la préparer? Oui. En tout cas, lorsqu'on meurt, on reste là au cimetière à attendre la dernière trompette du jugement dernier. Ça, c'est vraiment une conception philosophique. Moi non plus, je ne suis pas là-bas. La mort n'est pas une question philosophique, la mort c'est une question, c'est une réalité. On peut la vivre et nous la vivons. Les morts, c'est tous les jours, c'est un phénomène concret qui est là. Le corps meurt, mais l'esprit qui animait ce corps, du fait qu'il s'est séparé de ce corps physique-là ne peut plus être en vie. Parce que lui qui l'animait n'est plus dedans. Et c'est lui qui doit continuer sa vie. Et puisque cette vie va continuer, il faut bien pendant qu'on est vivant, qu'on prépare cette continuité de la vie de l'esprit. Il faut toujours répéter parce que pas la vie de l'homme. Le corps en enterré, ça n'a plus de problème. Mais l'esprit qui était dedans va continuer à vivre dans un plan qu'on appelle le plan astral. Ça, vous nous avez expliqué ça la dernière D'accord, fois. D'accord, ok. Maintenant, en fait, oui, voilà, maintenant il faut, pendant qu'on est vivant, connaître ce que c'est la mort, avoir la connaissance de la mort, pour ne pas paniquer lorsque celle-ci arrive. Parce que dans cette panique, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On peut se faire prisonnier de la force du mal, on peut être un esprit errant, possesseur, dérangeur, s'attacher à ses biens, au monde physique que nous avons laissé, simplement par cette ignorance-là. Donc, devoir nous est tous de connaître, d'avoir cette connaissance de la mort. La mort, c'est quoi? C'est ce qu'on est en train de dire. Se séparer du corps physique. Vous êtes un esprit. Aucun Africain, aucun Noir ne peut nier l'existence de l'esprit. Les esprits nous côtoient, ils sont là. Les transes dont les chrétiens parlent dans leurs églises, ce n'est jamais Jésus qui vient donner ces transes. Ce sont les esprits des morts qui se manifestent à travers nous. Même dans l'église. Même dans les églises, ce sont des esprits qui se manifestent, qui viennent rentrer. Les transes n'est pas là. Voilà, qui viennent rentrer là-dedans. La transe n'est pas une manifestation divine. Lorsqu'une manifestation divine descend dans le corps de l'homme, c'est un bien-être que vous allez sentir en vous. Une aisance qui va vraiment vous donner la joie même de vivre. D'accord, alors, donc, c'est vrai, vous, donc, comment vous préparez votre mort? Comment on prépare la mort? C'est vous qui ne me comprenez pas. Il faut la connaître. Pendant que vous êtes vivant, d'accord, par l'enseignement, par votre comportement, il faut essayer d'augmenter votre niveau spirituel, de telle sorte que lorsque vous mourrez, parce que le monde des esprits a plusieurs plans, 9. Dans ce 9 plans, il y a ce que les chrétiens appellent le purgatoire, il y a ce que les chrétiens appellent l'enfer, mais qui ne sont que des plans d'existence, n'est-ce pas? Donc, le bas astral, c'est ce qu'ils appellent l'enfer. Il n'y a pas un feu là-bas.
La meilleure manière de préparer sa mort, c'est voilà. de la connaître en fait. Voilà, de la connaître et de travailler beaucoup spirituellement pour acquérir un niveau spirituel qui vous permettra, aussitôt que vous êtes mort, de dépasser facilement les bases astrales, le monde intermédiaire, atteindre les plans supérieurs du monde des esprits. Vous apprenez ça, vous apprenez à ceux qui font partie de votre... votre mouvement, de votre courant, de votre mouvement spirituel, la compréhension de la mort, l'appropriation de la mort. Absolument, absolument. C'est parmi les enseignements les plus fondamentaux. Hein, que de seulement d'être là à dire que Boyantel qui avait porté de Samara qui était parti à la montagne, ça n'a rien à voir. Ça. Merci beaucoup, Jean-Marc Jadavadi. Monsieur Jeffrey Basungama, comment on prépare la mort? Ce sera les derniers mots de cette émission. En fait, il faut partir du concret. Comment aujourd'hui nous vivons ces phénomènes. C'est ça qui fera que les uns les autres, on puisse faire attention. D'abord, lorsque les gens vont à l'enterrement, ils sont habillés en noir, pour la plupart. Hier, j'en ai vu aussi. Ils sont partis enterrer quelqu'un, mais ils sont en noir. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas quel est le phénomène qui est arrivé. Quand on est habillé en noir, mais c'est un signe de tristesse. Et celui qui est parti se demande, mais ceux-là qui sont en noir, ils sont en noir, pourquoi? Et ça l'attriste. La tristesse, ce n'est que normal lorsqu'on perd un tiers. Mais justement, a pleuré lorsque Lazare est mort. C'est justement, lorsque mon frère Zavani dit qu'il faut étudier ces choses-là, mais cela veut dire que si on sait que c'est un voyage qu'on est en train d'effectuer, on aura une autre attitude de confiance, voyez, d'espérance, voyez. Notre frère parle de résurrection. En fait, puisque lui, il a pleuré. Moi, je prends cet exemple-là parce que oui. Jésus, lorsqu'il a pleuré, ça dit qu'il ne connaissait pas la mort, il ne comprenait pas la mort. Quand il a pleuré Lazare, oui. Non, c'est un phénomène qu'on va expliquer plus tard, d'accord, sinon on va problème, se perdre. Pas de problème. Voilà. Donc, quand on parle de résurrection, mais ça, c'est une étape très avancée. C'est l'immortalité consciente, la résurrection. C'est l'immortalité consciente. Ça signifie qu'on vous a enseigné comment, de votre vivant, lorsque votre corps est fatigué, vous pouvez vous fabriquer un autre corps à volonté, sans passer au cimetière, sans l'incinération. Vous voyez? Mais ça, c'est des étapes très avancées. C'est le Christ qui enseigne ça. Mais il faut d'abord passer par tous les mystères et la résurrection, c'est Pâques. D'accord. Alors, moi, nous allons en parler d'un moment à l'autre, voilà, peut-être pas aujourd'hui, oui, prochainement. Prochainement. Ce que je veux retenir de vous, Monsieur Jeffrey Basungama, oui? C'est que le jour que vous mourrez, oui? Ou le jour que vous proposez aux autres, oui? Le jour de leur mort, oui? En réalité, nous devrions attendre 3 jours avant de faire tout ce qu'il faut faire. Mais... Jeffrey Diaz, mais c'est une réalité. Moi, je ne peux plus me permettre le spectacle que tout le monde fait, sinon la majorité. Parce que je serai comme celui qui n'a pas compris ce qu'il apprend. Voyez? Mais c'est une réalité qu'il faut garder le calme, qu'en réalité, il ne faut pas se lamenter. Et tout cela, mais il faut apprendre ça un peu plus tôt. D'accord. C'est pas le jour. Ça, on peut apprendre ça à l'association Réseau Chrétien Max Endel. Dites-nous où se situe l'association Réseau Chrétien Max Endel. Merci beaucoup. Ici à Brazzaville, puisque l'association est au Togo et aussi à Cotonou, pourquoi pas en Europe, aux États-Unis, mais nous parlons de Brazzaville, c'est à Kombe. Vous voyez, Kombe, c'est... après le pont du Djoué. Descendez à l'école primaire de Kombe, regardez le fleuve Congo,
À 50 mètres, vous verrez un soudeur et vous tournez à droite. À 100 mètres, vous verrez le centre de Combé en bleu-blanc. Et vous pouvez apprendre ces choses-là parce qu'elles sont vraiment déterminantes pour avoir un comportement responsable. D'accord. Ceux qui voudront apprendre la mort, à connaître la mort, qu'est-ce qu'ils devront faire pour vous rencontrer, pour rejoindre votre mouvement? La mort, oui, mais aussi la vie, puisque les deux sont liés. Il faut arriver à la puissance spirituelle du Verbe, qui est une grande école de sagesse. L'initiation dont on parle, en fait, c'est cet enseignement. Ce sont ces choses-là que nous apprenons. Les gens pensent que l'initiation, c'est peut-être aller sauter dans les cimetières. Non, loin de là, ce sont ces connaissances-là, en fait, qu'il faut apprendre. L'homme est censé vraiment reculer très loin les barrières de son ignorance. Ils ont des stylos pour prendre l'adresse. Hein. Ils ont des stylos là pour prendre l'adresse. Très bien. c'est, nous sommes au quartier Massissia. Le quartier Massissia, Aré Mangui et Mankoula. C'est la PSV. Bon, le numéro, c'est plus facile, c'est plus simple, parce qu'on peut s'appeler et puis on peut orienter la personne. C'est le 06 959 55 55. Ou alors, prenez le 05 532 77 35. D'accord. Voilà. Beaucoup d'enseignements aussi du côté de la religion omisme, omiste, la religion omiste, donc l'omisme. Vous êtes situé où? Quelles sont les références? Okay. L'omisme, c'est la religion fondée par Sa Sainteté, le Seigneur Ramsa Manara. Nous sommes le siège social, le siège mondial se trouve en France. Et nous sommes bien basés à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, on a deux centres hommes, le centre du Homme. C'est comme une paroisse au centre-ville, à la Bourse du Travail, et à Mpaka 120. À Brazzaville, ici, nous sommes à Diata, 32 rue Makola. L'homisme fait la synthèse des religions. Nous parlons de notre fondement, c'est l'unité des visages de Dieu. Dieu est un et il a plusieurs facettes. Il se manifeste sous plusieurs facettes. Et donc, dans l'homisme, vous avez une synthèse. Vous vous sentez à l'aise, que vous soyez musulman, bouddhiste, hindouiste, chrétien, ou dans d'autres écoles initiatiques, vous serez à l'aise. D'accord. Et Ramsa Manara nous donne un enseignement nouveau, une révélation. Ceux qui veulent, ils peuvent venir à Diata, 32 rue Makola. 32 rue Makola, à Diata, il n'y a pas de numéro de téléphone? 06 679. 0466. D'accord. Numéro de téléphone, vous avez oublié certainement. Oui. 06 664 86 87. Et WhatsApp, c'est le 04 483 92 90. D'accord. Alors, docteur Redoumbos Mbota, vous venez pas d'église. On m'a dit que vous allez créer tout un mouvement quelque part là. Un mélange de PSV, d'homisme et de... Voilà. C'est un peu ça, c'est ça, c'est vrai? Non, non, pas du tout. lorsqu'on dit que voilà, vous n'avez pas d'église, je l'ai toujours dit, je l'ai redit toujours. Mm-hmm. Et je ne crois pas dans la définition actuelle qu'on donne de... Bon, vous n'avez pas de siège. Du concept. Vous n'avez pas de siège pour bon, l'instant. Bon, ceux qui voudront s'approcher de moi peuvent me contacter. C'est ouais, comme, allez-y, comme le Christ avait dit aux disciples qui sont venus vers lui, ceux qui ont été envoyés par Jean, il a dit, ils ont dit, où habites-tu? Il a dit, venez et voyez. Ils l'ont suivi et ils se sont entretenus avec lui, il a commencé à les enseigner. Donc, j'ai un numéro de téléphone, c'est le 06, le 522, 46, 66, 06, 522, 46, 66. Alors, vous avez moins de 5 secondes pour répondre à cette question. C'est un téléspectateur qui pose la question. Oui. C'est vous qui m'avez donné, donc je vais grignoter votre temps. Il dit, le pape Jean-Paul II aurait dit, il n'a pas peur de la mort, mais plutôt de ce qui se passera après sa mort. Qu'en pensez-vous, M. Mbota? Bon, s'il a dit ainsi, je ne peux pas rentrer dans sa pensée, mais je pense qu'il a plutôt peur des choses qu'il n'a pas pu résoudre. C'est-à-dire les conséquences qui suivront son départ. C'est-à-dire une fois qu'il ne sera plus présent. Non, ça dit après sa mort, ce qui arrivera sur la terre, okay. Au niveau de l'institution qu'il dirigeait. Merci beaucoup. C'était merci d'avoir répondu à notre invitation à deux reprises. Et nous aurons aussi l'occasion de vous avoir pour la puissance spirituelle du Verbe, pour l'association Résus Christ Max Endel, pour la religion mixte. Et donc, nous sommes là pour vous. C'était Aréam. Et tout de suite, entretien avec Pauline Boudzeke, l'éducatrice, avec le thème « Les enfants de la rue, pistes
de solutions.